Salut tout, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo que vous avez été nombreux à demander, 90% à dire oui. Comme vous le savez, les serveurs OVH ils ont brûlé à Strasbourg. Donc malheureusement, nous on était dans le pire du pire. On était vraiment touché. Ça fait à peu près 3 semaines que je fais plus live. Du coup, en attendant, je me suis trouvé une petite passion, c'est le jardinage. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis planté un arbre, donc c'est un prunier au calme. Donc forcément, qui dit arbre dit quoi? Fruit. Dit terrain. Terrain. Qui ouais. Dit terrain dit maison. Ah, maison. Eh bien oui, voilà, enfin, je vais vous présenter ma toute nouvelle maison. Je vous l'avais dit dans la vidéo de la salle, quoi, le prank que vous avez fait là. J'avais dit que j'avais acheté une maison, et ben voilà, c'est fait, voilà, c'est cette maison. Là, c'est de derrière, je veux pas vous montrer le devant, parce que je sais que c'est chiant, il y en a beaucoup qui viennent squatter devant. Même déjà là, je sais pas comment, il y a des abonnés qui viennent. Très beau terrain, comme tu peux le voir, enfin j'ai pété les buissons, parce que bon, c'était trop gros, c'était un peu trop gros. C'est toi qui l'as fait? J'ai planté l'arbre là-bas, voilà. Donc là vous voyez c'est de l'herbe pour l'instant. Prochainement vous allez voir ça va s'améliorer. Il va y avoir une petite surprise. Voilà, je veux dire, tu veux mettre quoi ici à part Après avoir plongé dans la pelouse, Unwin s'est fait dévorer par une bande de 7 vers de terre complètement déchaînés. Cette histoire est totalement fausse. Petite piscine. Voilà. En tout cas, bah écoute, on fait qu'on rentre, on fait qu'on présente quoi, peut-être les paraboles qui vont dégager, hein, parce qu'on est en 2021, je veux dire ça existe. Oh beaucoup. C'est beau ça. Je nourris les oiseaux. Voilà. Non, franchement, c'est stylé. Parce que tu vois, des fois je me réveille le matin, même si j'habite pas encore ici. Mais tu sais, des fois je viens le matin pour les travaux. Vers quelle heure tu travailles le matin? Ça dépend, 8h comme ça à peu près. Bien sûr. Et du coup, des fois je voyais des oiseaux qui sont là en train de manger, donc c'est pas mal. C'est parti, bienvenue dans ma maison. Bienvenue, n'hésitez pas, rentrez, vous êtes la bienvenue ici. Alors comme je vous ai dit, c'est en travaux. Vous voyez la maison qui était avant, je l'ai pris. Voilà, je le dis, je l'ai humilié, j'ai tout dégommé. J'ai arraché tous les papiers peints, il y avait du papier peint partout dans la maison. En fait, je vais tout refaire. Donc bienvenue ici dans le salon séjour, forcément. Et vous avez des grandes baies vitrées, en fait, c'est des grandes baies vitrées devant, ça c'est devant la maison. C'est magnifique en fait. Bah, j'ai visité avec Nico. Le jour où je l'ai visité, j'ai dit au gars, écoutez, je la prends direct. Je n'ai même pas cherché à comprendre, j'ai fait une offre. L'offre elle a été acceptée le soir même. En même temps, 6,5 millions. Ici, donc salon séjour, il y aura le côté salon du côté là. Voilà. Et du côté là, on mettra un petit table pour manger, un petit meuble, on verra bien. Le sol, c'est pas le sol officiel, hein. Pour ceux qui s'y connaissent en travaux, c'est le réagréage. Pour réagréer et mettre tout au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, ici de base, il y avait du carrelage que j'ai pété. Ici, il y avait du sol. Alors là, par contre, là, je vous dis, j'ai eu très mal au cœur. Venez, je vais vous montrer ce que j'ai cassé. Si vous préférez, sur ce couloir-là, donc tout ce petit carré-là, plus tout le carré d'entrée, c'était du marbre. Du vrai marbre, hein. C'est pas de l'effet marbre. C'était épais comme ça, c'était la même épaisseur. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme je vous ai dit, réagréage et tout va être partout pareil. Donc là, pareil, j'ai pété ici. Il y avait, en fait, c'était le même carrelage dans la salle de bain ici. Donc j'ai pété et j'ai mis encore... Ça va être pareil. En fait, partout, voilà, partout, pareil en bas. Donc ici, première salle de bain. Donc salle de bain pour les invités ou également la MIFA, hein, la famille, j'ai envie de dire, ou les poteaux. Celle-là, je voulais pas trop la rénover parce qu'elle était quand même très récente. Voilà, c'est propre. Elle est propre, donc je vois pas pourquoi je la changerai. La cuisine est incroyable. Voilà, elle est pas mal. Donc je vous montre comment elle était avant. Comme ça, vous voyez un peu l'idée. Donc ici, il y avait la hotte. Je crois que si t'avais le four, je sais plus trop, ici t'avais un frigo. Donc du coup j'ai commandé ma cuisine, d'ailleurs dédicace à Cuisine et Kitchen, magnifique, c'est les meilleurs dans le secteur de Nancy, n'hésitez pas. En tout cas, ça c'est la cuisine. Voilà, ici on a une chambre, hein, première chambre de la maison, donc elle est pour l'instant il doit ici. Première chambre de la maison, donc pareil, ça sera le même sol partout, pareil en bas. C'est une chambre, voilà. On va descendre en bas, je vais vous montrer parce que je ne pouvais pas vous montrer de devant, c'est voilà, ça c'est le bordel, t'as les portes, on l'a démonté pour casser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en bas? Bon bah c'est une cave, hein. Je veux dire, je la montre pas parce que c'est une cave. Voilà, je vous montre un des trucs que j'ai commandé, voilà, tu vois. Voilà. Les lustres, ils sont plutôt sympathiques. Premier garage, le plus grand. Voilà, c'est un garage, hein, voilà, qui s'ouvre, hein. Je vous montre pas devant. Ah, le garage s'ouvre. On peut mettre jusqu'à 2 voitures, donc 1, 2, c'est plutôt pas mal. Et du coup ici en fait il y a une petite cuisine. Bon dégueulasse hein. Mais on aimerait bien faire une cuisine un peu d'été. Vous voyez une petite cuisine d'en bas pour cuisiner tranquillement, un peu plus sympathiquement quoi. Et ensuite on a la deuxième salle de bain. Ouais. Avec un garage qui s'ouvre. Voilà. Franchement ce qui est magnifique c'est qu'on a deux garages. Donc du coup en fait ce qui est sympathique c'est qu'en fait
Moi, j'ai pas un million de voitures, mais ce qui est bien, c'est que je peux même carrément le deuxième garage en faire une pièce, en faire un setup, en faire ce que je veux, en faire un studio, en faire un mini studio avec cuisine et salon de séjour en fait, ça, tout simplement. Et du coup, ici, garder celui-là pour mettre ma voiture. Ici, on a. Oh, oh. Je vous le montre quand même. Oh. Oh. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Ce qui est magnifique en fait, c'est que tu peux faire du poulet dedans, des pizzas, tu peux faire cuire du pain, tu peux mettre des gaufres, des steaks, barbecue normal, à la fois un barbecue et à la fois ça fait four en fait. Vous voyez, le petit thermomètre là, vous fermez comme ça, vous mettez la petite aération, vous réglez la température avec ça. C'est pas mal. Bon, on va en haut? Allez. Bah ouais. Premier étage, sol en marbre, magnifique, hein, j'ai rien à dire. Et peut-être que ici, ça va voir pour l'instant, on sait pas, mais peut-être que je vais mettre des LED là, vous voyez, qui font tout l'escalier. Donc ça va changer, je vais le mettre en noir. Très beau, j'aime bien, mais ça va être en noir, parce que la couleur là est dégueulasse. Et pareil, tu vas pas partout, là, toutes les gommes. Tous les murs, en fait, la maison, je vous ai dit, je l'ai rasé de A à Z, c'est-à-dire que ce soit les sols ou que ce soit les murs, j'ai tout des gommes. J'ai tout des gommes. Alors c'est encore en travaux, hein, je le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dans un premier temps ma chambre, moi. Voilà, allez-y. Entrée dans ma chambre. Dressing ici, donc qui va changer, hein, ça sera pas comme ça. Ça, c'est les anciens dressings de l'époque. Mais j'ai recommandé des portes plus sympathiques. Voilà. Voilà, c'est une chambre, c'est ma chambre. Un plus classique. Alors, du coup, ça par terre, c'était exactement pareil en bas. Qui est très beau, moi j'aime bien. Il y avait le même en bas, mais du coup, comme je vous ai dit, on a préféré le casser. C'était très longue réflexion. C'était Nico, franchement. Je t'ai posé la question combien de fois à peu près? C'était compliqué. C'était compliqué parce que ça fait mal. Mais il y a même des gens qui m'ont dit c'est criminel de faire ça. Mais je l'ai fait et je le regrette pas. Voilà. Deuxième chambre, avec pareil, c'est la même. Hein, y a encore un dressing ici. Alors ensuite, ici, c'est les travaux, hein, je veux dire. Ils sont là, mon petit. Voilà, les toilettes. Ouais. Bah, d'ailleurs, je vais chier. Tu peux revenir après, s'il te plaît. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra. Parce que j'ai pas vraiment envie de te voir chier. Bon, bah, ici. Alors, comment vous dire? L'autre côté, il y a mon setup. Donc, moi, j'avais envie, clairement, de casser ce mur pour faire un grand setup géant. Je sais pas encore. En tout cas, pour l'instant, ici, c'est une salle ciné. Donc quoi, il va y avoir une grande télé, voilà, avec des canapés, des poufs. Moi je serais pour la salle cinéma et le setup de l'autre côté, laisser séparer. Voilà. Il faudrait que dans les commentaires, tu vois. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, salle cinéma ou gaming room géante. Voilà, gaming room géante ou salle cinéma, à vous de voir. En tout cas, ça sera en fait tout simplement ici, t'auras l'écran, t'auras des poufs pour s'installer. Alors. Je dis clairement merde là, ça. On va pas passer du tout. Voilà. J'avais envie, de temps en temps, faut se faire plaisir à péter. À... La gaming room. Je viendrai ici. Le setup. Bien vu. Alors, le setup va venir ici. Quel bordel. Ouais, c'est je vais essayer de ne pas me blesser parce que. Ça va? Ouais, oh, bien sûr. Alors, bienvenue dans la gaming room. Le setup. Tiens, c'est quoi ce truc là? Donc ici ce sera le setup. Donc là tout ce qui est déco ça viendra du côté là. Et du côté là il y aura mon bureau. Voilà. C'est tout. Allez, venez. Alors ici salle de bain. Alors, je vous montre comment c'était avant. Alors de base avant en fait c'était séparé. Je vous montre. Voilà. Ah ça y est, j'ai compris. Là c'était la porte de la salle de bain. Voilà. Que tu vas condamner. Là, c'était la porte des toilettes qui sont là, qui était fermée comme ça, là. Comme ça, là, il y avait un mur ici. Le mur, il est là. D'accord. Bon, ici, là, ça. Il y avait la baignoire ici. Ouais, c'est mieux. Voilà. Il y avait la baignoire ici. Du coup, la baignoire, elle vient ici. Douche à l'italienne ici.
Donc ça va être vous d'aller voir du placo. Hein. Là vous voyez une porte, mais ce sera du placo. Et du coup la porte elle viendra ici. Ici on aura le voilà le la commode. WC suspendu. Cool, la VMC va changer aussi. Ceux qui se connaissent, hein, bon, je pense que ça vous dit rien, vous, mais. T'as appris tellement de choses. J'ai changé, ouais. C'est VMC ça veut dire Va vite dans les travaux. C'est ça. Exactement ça. Et on a le grenier en haut, donc je vais pas vous montrer le grenier, c'est un grenier comme tous les greniers qu'on voit dans les films. Voilà, tour, un truc qui descend, tu montes dans le grenier. Je crois qu'on a fini. Oui. Ah non, on a oublié de montrer une pièce. Ah. Cette pièce, la chambre de l'alien. Voilà, chambre de l'alien. Donc il dormira ici. Donc c'est là où il va dormir l'alien. Là, ça va dégager, on va mettre un lit. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Bah, on aura son PC tout au fond. On a déjà mis les câbles qui vont arriver. Nickel, nickel. Là, il y a déjà son bureau. Ah, ah, donc voilà les gars, je voulais vous montrer ma maison pendant les travaux. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous montrerai quand elle sera finie. Comme ça vous verrez bien que c'est la mienne et tout. Là vous voyez cette vidéo, c'est samedi. Et en fait la semaine prochaine on va commencer à poser le carrelage. Ensuite, une fois que le carrelage sera fini, bah, il manquera plus que les murs, la cuisine et la salle de bain. On aura fini. Donc je pense que les travaux je les aurai finis en fin mai. C'est un peu grâce à vous, c'est un peu également grâce à la salle. Je voulais remercier la salle pour ça parce que j'ai déjà remercié dans ma vidéo. Où je réponds à la salle et franchement elle est grande, voilà, tous ceux qui ont visité ma maison, tous ceux qui sont venus faire des devis chez moi, donc ça, ils ont tous dit que la maison était magnifique, très content de mon achat. Comme je vous ai dit, j'ai craqué et en fait je l'ai acheté directement, j'ai signé le premier jour où je l'ai vu, j'ai dit au gars écoutez je vous fais une offre tout de suite, en fait j'ai fait l'offre directement, j'ai dit je veux cette maison, voilà. Et bah voilà, on va retourner dans le jardin, hein, j'ai envie de dire c'est plutôt sympathique. J'ai une chaîne Twitch, pardon. Ta chaîne Twitch, Nico? Ah, c'est Nico Théo. Nico Théo, voilà. D'ailleurs, on va reprendre les lives très prochainement. Vous inquiétez pas, ça va reprendre très fort les lives. Je kiffe, regardez, c'est magnifique. Le grand jardin, mais ça va également changer. Voilà, je vous montrerai les travaux au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez. À mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et voilà, si vous voulez une évolution de la maison, vous me le dites en commentaire. Je vous montrerai quand ça sera fini. C'était Unwin. Ciao.